Salut tout le monde, c'est Mangacard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture donc des Miracle Battle Cardass J-Heroes 3, donc les All-Stars. Donc voilà, j'ai ouvert la partie 1 et la partie 2, enfin les parties 1, 2 sur ma chaîne, et là, c'était obligé que je prenne les 3, quoi. Parce que de toute façon, comme vous le savez, moi, c'est vraiment pour les Bleach, en fait, que j'ai acheté les MBC. Puis bon, il y a les Kuroko, les DB, un peu les Naruto, le reste. Bon, je connais pas trop le reste, hein, donc One Piece, Gintama, Toriko, Hunter x Hunter. Je connais pas du tout, donc du coup, avec les noms, je vais un peu galérer. Donc, moi, ouais, je vais vous montrer vite fait la box. Comme d'hab, c'est toujours prêt. Donc là, on a les Omega, donc Kuroko. On a Vegito. On a le Luffy. Gintoki. Donc, ça, c'est. L'arrière, c'est le contenu de la part entière, donc 8 Oméga, 12 Ultra, 30 rares, 60 communes et 8 cartes promo. Vu qu'on n'en a pas eu dans la part 2, ce qui est bien dommage. Donc une carte de Hunter Hunter et Sasuke. Et derrière, on a donc les 8 cartes promo qui tomberont dans la box 100% sûr. Alors j'ai aussi eu. Deux packs promo, je vais vous les montrer. Hop. Deux packs promo qui contiennent soit un mec de Gintama, soit Luffy. Donc c'est une carte par pack et j'en ai deux. Donc je vais vous montrer ça aussi vite fait l'arrière. J'ai déjà ouvert, pré-ouvert un booster. Je comptais garder un emballage. Pas bon état. Voilà. Donc la première carte promo qu'on a, c'est le mec de Gintama. Donc là, vous pouvez voir PAS 45. Vraiment très joli, quoi. Franchement, c'est plutôt sympa. Je vais juste ouvrir mes sleeves. Hop, première promo. Sous-sleeve. Il y a encore des promos qui sont spécifiques au White Box. Donc une promo DB et une promo Kuroko. Là j'ai vite fait. J'ai du mal à ouvrir. Ouverture facile. Ah ben c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. J'avais deux promos à voir et bien sûr. J'ai la deuxième, ça c'est vraiment cool quoi. La promo de Luffy. Franchement, elle est juste magnifique. Franchement, j'aime pas One Piece, mais cette image, elle est vraiment belle. Donc la PAS 44. Mais sous pochette, comme d'hab. Donc ça c'est cool. Les deux cartes promo. Voilà. On va maintenant s'attaquer à la boxe. Alors, je vais. Ouais, ils ont remis un truc comme ça. Je vais tout ouvrir en une part, hein, comme pour les MBC Kuroko. Je vais vous montrer le fond, qui est le même que le booster. C'est vraiment très joli, quoi. Alors, hop, commence. Avec les boosters. Là, on se regarde de nouveau le booster, tranquille. Avec l'arrière. Et d'ailleurs, que je vais ouvrir correctement, vite fait, pour en garder un. J'essaie d'ouvrir correctement. Voilà. Et c'est parti. Alors, un mec de Toriko. Du Gintama. On a Krillin. Du Hunter x Hunter. Naruto. Oh, j'aime bien cette image. Elle est cool. Ah, regardez-moi ça. Franchement, magnifique. Oh là là.
Elle est trop belle cette image. C'est fou quoi. Du bleach. Voilà. Il faut qu'il nous sorte une part de bleach, hein. Franchement, moi je tiens plus. Hein. Du Gintama. Et en rare, on a Gintoki de Gintama. Et bien sûr, la carte pub. Bon, maintenant, je peux dégommer les boosters. Bon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont ouvert avant moi. Des booster box. Mais c'est pas grave. On a Piccolo. Ah, comment elle s'appelle de nouveau? La coach de Serine. Je vais vous dire ça dans Serico, je crois. Je vais vous dire ça 2 minutes. Non, ça veut pas. Où est-ce que j'ai mis? Alors. Ouais, bah c'est bien Rico. Voilà, un gros bug. On a Itachi. Une meuf de Gintama. Je connais pas. Oh yeah, Akashi de Kuroko. Ah, oh, magnifique. Oh là là. Donc promo de Ichigo. Juste trop la classe. Et promo de Kuroko. Oh là là. Et franchement, elle est magnifique. Je crois que c'est mes deux promos préférés. Bon, Bleach de base, mais celle-là de Kuroko. J'adore. Je vais les mettre sous sleeve après. Et on a une rare de Ichigo. On voit pas vraiment quoi. Un peu dommage que c'est sombre comme ça. Donc, ah oui, Lucas, toi qui galères à ouvrir les boosters. Tu vois, il y a une ouverture facile. Et voilà. Si tu regardes bien sûr la vidéo. De toute façon, je l'avais dit en commentaire. Donc, du Toriko. C'est Yuga. C'est ça? Normalement, ça doit être lui. Ouais, c'est Yuga. Gin! Magnifique! Oh, je kiffe. Vive les Bleach. Du One Piece. Oh, trop bien. Toshiro. Mighty Mask. Du Hunter Hunter. Je sais pas qui c'est, mais j'aime bien. Oh, et Aizen en rare. La classe. La classe. Je kiffe. Je veux trop une part Bleach. Sérieux. Ah. Elle est bien cette carte paysage Hunter Hunter. Elle est bien dessinée. Hop. On a du One Piece. Tozen, trop la classe. Izuki, je crois que c'est lui. Hein. Ah, comment il s'appelle de nouveau ce mec. Tatsuya, Imuro. Guy. Oh, c'est trop bon. Oh putain, excusez-moi, mais c'est trop la classe. Je veux du bleach, c'est trop bien. Genru Sai. Oh là là. En ultra rare. Oh, elle est trop belle. Bon, c'est la numéro 55 sur 102. Ah, ah. Donc, la pub, la carte rare de Kagami. Et bien sûr, on met tout ça sous pochette. Hein. Ah, c'est trop bon. Alors lui, je le connais, c'est Sanji. Un des seuls que je connais. Ah, trop bien, Soifong. Ah, trop bien, trop la classe. Freezer. Je connais pas encore les mecs de Gintama. Du One Piece. Du One Piece, Nami, je crois. Bizarre hein, le nom des filles, hein, je retiens. Et du Toriko en rare.
bouger. Comme ça. Alors, du One Piece, Soifong, Mula Sakibala. Ah, j'y suis arrivé. Insani. Hop. Je ne sais pas qui c'est. Du Gintama. Sympa aussi cette image. Encore du One Piece. Oh, Sasuke en Omega. Oh là là. Oh, elle est jolie. Ah, franchement, elle est trop belle. J'adore. Et en rare, un mec de Toriko. Aucune idée qui c'est. Oh là là. Je sais pas qui va de pair avec Sasuke. Dans la box, mais... Ah, c'est excellent. Je suis gâté pour le moment. Ouverture facile. Hein. Un peu galère quand même. Donc on a du Hunter Hunter. Imulo. Mighty Max. Du Toriko. Du Gintama. Gai Sensei. Du Hunter Hunter. Et un gun de Hunter Hunter en rare. L'image est plutôt bien. L'artwork est bien fait. Allez, on a Petit Cœur, un guy du Gintama, qui sait, de Kuroko, du One Piece. Ah, j'ai cru que c'était une Omega maintenant. Promo de Sangoku, magnifique, et qui va avec. Et promo de Luffy. Ben voilà, je préfère quand même cette promo, hein, vu que j'ai encore à côté. La promo de droite est quand même plus jolie. Et en rare, on a un gars de One Piece. Hein. Je sais pas, il ressemble à rien. Hop. Alors, Son Gohan. Franchement, elle est bien cette image. Midorima. Du Gintama, du Toriko, pardon, du Gintama. Oh, Yoruichi. Oh, purée, trop bien. J'adore. Ah, on n'a pas eu celle-là. Du Naruto, avec l'équipe 7. Magnifique. Mula Sakibara. J'arrive à le dire, quoi. Et un gun de Hunter Hunter en rare. C'est vraiment, franchement, les All-Stars, c'est vraiment la classe, quoi. C'est l'appart à collectionner. J'ai quand même les deux premières parts en full, de toute façon. Et j'ai quasiment toutes les promos aussi. Du One Piece, du Hunter Hunter, du Gintama. Ah, Son Gohan. Qui c'est? Un Zabuza. Oh! Deuxième Omega. D'accord. Donc du Hunter Hunter. Je crois que c'est... Moi j'ai vu une vidéo, je crois que c'est Gon en version adulte. Mais je suis pas sûr. Et franchement, il est plutôt joli, quoi. L'effet de violet et tout ça, c'est... C'est classe. J'aime bien. Et en rare, du Gintama sur son scooter. D'accord. C'est un peu dommage qu'on ait tout de suite eu les deux Oméga du même côté. Parce que c'était le dernier booster des 10. Du coup, on passe sur les 10 derniers. Enfin, sur la deuxième part, bien sûr. J'ai une deuxième booster box, mais je n'ouvrirai pas en vidéo. Alors, du Midorima, Hunter Hunter, Izuki, un Toshiro, du Hunter Hunter,
Ah, promo. Gintoki. Très joli, en mode Kamehameha. Et promo de Toriko. Joli aussi. Et on a en rare du Hunter Hunter. Que je connais pas. Oh, c'est Killua, mais je suis pas sûr. Force de voir des vidéos, des fois je retiens des noms. Alors, juste pour le fun, Mula Sakibala. Voilà. Gai Sensei. Piccolo. Du Gintama. Du Toriko qu'on n'a pas encore eu. Très joli. Du Hunter Hunter. Et One Piece. Et on a Bou en rare. Bon, il nous manque, je crois, deux promos, trois UR. Ah, Vegeta, celle-là on l'a pas encore eu. Sympa, du One Piece, du Gintama, Neji, du Gintama. Freezer qui a une drôle de tête, je sais pas. Ah! Une UR de Gintama. Mais lui, on le voit beaucoup là, hein. Je crois qu'on l'a déjà eu en UR et en Omega, sous les autres parts. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est quand même classe quoi, une UR. Et en rare, waouh, sympa! Goku en rare. Hop! Je mets tout de suite UR sous pochette. Donnez-moi 5 secondes. Hop. Alors, Itachi. Soifong. Imuro. Nami. Rico. Du Hunter Hunter. Ah, elle est jolie. Je sais pas qui c'est, mais c'est sympa quoi. L'image est sympa. Elle fait quoi? Elle joue au Go? Elle doit jouer au Go. Je sais pas. Et un Luffy de One Piece en rare. On approche de la fin. La fin. Alors, du Toriko, ça c'est du Hunter Hunter, Végéto qu'on n'a pas eu, du Gintama, ah sympa, du One Piece, Hunter Hunter, oh, oh magnifique UR, Aominé, oh ça tue, j'adore, la classe, sérieux, et du Toriko. En rare. On n'a pas eu beaucoup de bleach là. Je sais même pas combien de rares il y a de bleach. Hop. Il manque une UR. On a Vegeta. Neji. Ah, Ichigo, qu'on n'a pas encore eu. Sympa. Mais ils auraient pu nous mettre une autre forme, quoi. C'est une image vue et revue. Du Toriko. Du Gintama. Gai Sensei. Et on a du Naruto en rare. C'est Sasuke. Sasuke en rare. On voit pas très bien, justement, en plus. Vu que c'est foncé. Alors, du Gintama, Hunter Hunter, Sangohan, Naruto, Akashi. Ah, ben voilà les dernières promos. Ah, elle est jolie celle-là. Gun en promo. Et en deuxième promo, Naruto avec un Rasen Shuriken. Ah, elle est vraiment jolie, hein. C'est la promo de Naruto, franchement. J'aime bien. Et en rare, ah, ben voilà. Grimmjow en rare. Donc il voulait des rares de Bleach.
Ouais, ça tue. J'adore. Bah, il nous manque une huère. Il y a du Gintama, Son Gohan, du One Piece, Tozen, Yuga, cette image la kiff, du Bleach et Kuloko en rare. D'ailleurs, j'ai ouvert une box KB01, donc Kuloko Basket. Allez, hop, on a, si je veux bien faire un focus, Mighty Max, Mighty Mask, oh là là, comment je galère un peu, pas du Hunter Hunter, Sanji, Krillin, ah bah dernière UR, je sais pas du tout qui c'est, du Hunter Hunter, en UR, joli quoi, oups, et en rare, on a un Obito. Sympa aussi cette rare. On va mettre sous pochette. Il me reste dernier booster. Dernier booster. Ça va vite quand même. Hop. Allez, avec Yoruichi. Que j'adore, du Gintama, Végéto, du Gintama, du Naruto, Zabuza, du Toriko, et en rare, Kuroko pour bien finir. Hop, bah je vais vous faire un vite fait récap. Hop, on va faire le petit récap. Alors, moi je vais prendre une par une en fait, pour vous montrer. Donc on commence avec les promos, donc Goku, un peu tendu de tout mettre. On a Kuroko, un Naruto, un Luffy, donc ça c'est les promos box. Vu qu'il y a des promos White Box aussi. Gintoki. Un Gun. Et dernière promo Box, c'est Ichigo de Bleach. Donc là, on a les 8 promos. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer les UR. Ah, j'ai oublié une promo en plus. La blague. 2, 4, 6. Je me suis bien dit, hein, c'est quoi ce bordel. Et un promo de Toriko. Bah, je peux le mettre. Voilà. Ensuite, une UR de Hunter Hunter. Une UR de Gintama. Une UR de Kuroko Aomine. Juste trop classe. J'adore. Hop. Posez ça comme ça. Et la plus belle de toutes. Une UR de Bleach Genlusai. Franchement, trop la classe. Il a vraiment trop la classe là sur cette image. Ça tue. Donc ça, c'est les 4 UR de la box. Ensuite, les 2 Omega. Alors. Une Omega de Hunter x Hunter, donc Gun version adulte. Magnifique. Et la deuxième Omega de Naruto, donc c'est Sasuke. Juste magnifique. Bah voilà. Hop. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est gratuit. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!